Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous rencontrer à nouveau. Je suis Unmaster Kiwi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragon Age Inquisition. C'est parti, on reprend là où c'était la dernière fois car je suis très content. On va pouvoir continuer enfin notre aventure. Hop, les marches solitaires nous attendent. On va continuer cette partie. Tant qu'on le peut, hein, évidemment. Puisque c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de faire un playthrough sur un jeu aussi formidable que Dragon Age Inquisition. Faut vraiment dire ce qui est. Hein. Il est excellent, franchement. On a pu découvrir déjà pas mal de paysages intéressants. Même si on est toujours sur le même environnement depuis le début du jeu. Parce que j'ai pas eu le temps de vous faire une grosse session encore. C'est surtout des sessions de 2-3 heures que je peux faire pour l'instant. Mais là, je vais essayer de vous faire un truc assez balèze. Faut dire ce qui est. Pour vous procurer toutes les sensations en fait que j'ai pu ressentir depuis le début. On va essayer de se venger aussi de ces satanées failles qui nous ont un peu poutré la gueule, faut dire ce qui est. Hein. Elles nous ont littéralement explosé à la face, littéralement troué l'anus. Et du coup, il va falloir se venger un petit peu. Hein. Allez, petite ellipse, le temps que ça charge. Et voilà, on se retrouve, ça y est, ça a pas mal chargé. On va pouvoir continuer notre aventure. Allez, le chargement. Donc je sais pas si vous avez passer de bonnes fêtes de Noël, mais en tout cas moi ça a été le pied pendant ces quelques jours que j'ai pas passé en famille et je peux vous dire que c'est incroyablement formidable. Allez, la charge est bientôt terminée. On croirait qu'on est en train de charger un portable là. Il faut attendre 3 heures pour pouvoir utiliser 10 minutes. Vas-y mon coco, tu peux y aller. Défonce-toi pour me sortir le jeu. Là, je prépare la sortie de The Witcher 3. Je vais essayer de vous faire un truc aux petits oignons pour le premier épisode du playthrough qu'on va faire sur ce jeu. Ça va être une tuerie. Allez, on reprend là. C'était arrêté avec la vieille et ses loups qui est en train de planter des navets dans son champ de carottes. Et qui a dû se faire pas mal bourlinguer par le paysan durant notre petite absence. Bref, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me souviens qu'il y avait des quêtes qui étaient pas mal. Notamment ça, non, bah ça c'est en c'est fait. Les soldats de l'Inquisition ont disparu dans les marais inexplorés du sud de Ferelden. C'est où? Les marais! Où sont les marais? À mon avis, les marais ils sont au sud, donc Ferelden c'est ça. Donc ça doit être cette zone-là qu'on n'a pas encore explorée. Là ici, il n'y a plus grand-chose à faire. On avait vu le commandant la dernière fois aussi. La collection d'éclats, on s'en branle. Je répète un peu hein, tout ce qu'on a fait la dernière fois. Termine la mission tour de guet dans les fermes, ça c'est fait. Cris de famine, viande. Viande des béliers sauvages dans les collines près du croisement. Leur viande pour éviter la famine qui réfugie. Qui menace les qui réfugient, qui, ré, qui menace les réfugiés. Trouver 5 caches d'apostats. Ok, bon bah là on va sauver les. On va sauver ces putains de soldats là. Où est-ce qu'ils sont? Les âmes perdues, allez hop. Où est-ce qu'ils sont? Bande de salopio. Ah, il faut changer de carte peut-être. Ah merde. Ça c'est con. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Une lettre découverte, fouiller la rivière à la recherche du paquet, ok. Ramener le drufle au pâturage. Ah, c'est ça! Ok. Astarium terminé, porte verrouillée. Faille de l'immatériel, pont détruit. Nanana. La grotte, on y a été, il me semble. Bon, alors on va déjà faire ça. Fouiller la rivière à la recherche du paquet. On va essayer d'éviter. Avant que. Pendant que j'appelle mon cheval,
On va essayer bien sûr éviter la faille, hein, parce qu'il y a une sacrée faille. Allez hop, dépêche-toi mon coco. Dépêche-toi en avant. Et cette fois-ci on fonce. Let's go vers la rivière. Et alors que je loupe le virage. Et que je fais un peu de la merde. C'est par là la rivière. Alors il y a un truc à faire avec ça. Ah. Je sais pas ce qu'il va falloir faire avec lui. Bon, on a 7 potions. Est-ce qu'avec 7 potions on va pouvoir tenir? En tout cas, j'espère, parce que mes clampins là, ils vont crever comme des vieilles merdes à chaque fois que je vais aller dans un combat. Ah, mais dis-moi que ça va pas charger pendant 3 heures. Non, c'est bon. Ok, parce que là, on est quand même à 60 FPS, hein. Faut arrêter de déconner. Si le jeu arrive pas à tourner, c'est qu'il y a un problème. Alors, apparemment, c'est là. Il y a quelque chose. Oh, il y a un bouquetin. Il y a un bouquetin. Il y a un bouquetin. Bouquetin, bouquetin. Ah, venez vous battre. Ah, ils ont disparu dans les murs. Dans l'infini. Salopio, il est là-bas. On va prendre le nain. Le nain vient là. Voilà, viens. Viens. C'est bon, on l'a eu! Petite saloperie! On lui a mis la misère, il s'en est pris tellement plein dans le cul qu'il en a eu tellement marre qu'il a dit: oh bah laissez-moi tranquille! Ok, on en a une. Il y en a un là-bas. Ah, j'arrive pas à le toucher. Viens là, mon coco. Toi, je t'ai. Toi, tu vas mourir. Bande de saloperies, on se croirait dans The Hobbit quand ils sont en train de défoncer les chauves-souris. Quand ils dégomment de l'orque à la pelle. Boum, je l'ai éclaté, elle est tombée en morceaux. Espèce de chèvre frigide. Elle a dû mourir, je pense. Voilà, deux déjà. Cette quête va être vite faite, je pense, hein. Putain, il court vite ce salaud, hein. Ah, purée. Elle est où, elle? Cours! Cours, Cassandra! Chope la bête! Chope la bête qui est en toi! Voilà. Allez, on se casse. Oh, finalement, on a tout fait, mais à l'envers. Bouquetin, bouquetin. Toi que je tiens par la main. Lâche-moi jusqu'à la fin. Allez. Alors, apparemment, là, il y avait un truc à choper, hein. Fouiller la rivière à la recherche du paquet. On a eu d'autres au bout de la rivière parce qu'il a dû couler jusque là. Non, même pas. Que dalle quoi. Walou. Walou, le jeu a décidé. Allez vous faire foutre. Hein, je vais ramer comme un porc. Même si vous avez fait des configurations de ouf. Allez crever. Pour chercher le paquet, c'est très simple. Vous démerdez. Non mais oh, pour qui il se prend? Hein? On va essayer de relâcher un petit peu la pression. Il y aura un petit décalage audio, hein, je suis désolé. Alors apparemment il y avait la bait du Gévaudan qui devait être dans le coin. Mais je vois pas du tout où est-ce que ce putain de paquet a pu terminer sa route.
Logiquement, ça devrait être dans le coin, mais là, avec les effets de lumière, c'est en train de partir en sucette. Et même les arbres qui se sont cassés la gueule. Ah, faut chercher là-haut sur la montagne. Oh là 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 là. Aucun respect le jeu, il a aucun respect, c'est vraiment la révolte la plus totale. Ah, est-ce que je peux passer sur cet arbre? Non. Aucun respect quoi. Il y a un truc, il y a un point bleu là pourtant. C'est pas un de ces connards, non, c'est. C'est des chèvres. Les chèvres. D'accord, aucun respect elle, non plus. Y a du méchant. Ouh, ça a popé. Ça a popé du méchant. Banzai. Tiens, gros naze. Au lieu de crier, y'a qu'à combattre. Vieille merde. Voilà, meurs. Bon, on les a terminés, datés, expiés. Hein. Ils ont été expiés de tous les péchés. Il y avait du coton. Votre inventaire est plein, super. Déjà. Ouh, y a un cadavre là. Ok, ah, il y a la malachite. Dans la malachite. Alors, dans la malachite. Inventaire, combien de places j'ai? 60 sur 60. Alors, on peut balancer peut-être de la merde. Schéma d'armes, schéma d'armure, y a peut-être rien. Objet de valeur. Ouais. Corde d'arc, on sait jamais si je vais faire un arc. Figurine de Mephirath, le traître. Ok, super. Ça donne envie. accessoires. Peut-être balancer des armes qui servent à rien parce que j'ai pas eu le temps de les revendre. Et ce jeu qui m'exaspère aujourd'hui. Il me veut la mort. Amélioration, armure, arme. Arme, on va peut-être balancer une arme qui prend de la place pour rien. Un glaive militaire, ouais, d'accord, c'est puissant ça. Bâton de feu. Masse. Qu'est-ce qui est tout pourri? Bouclier renforcé, vas-y, ça balance. Allez hop. Voilà. Bouclier de l'Inquisition, ça je garde. Elle est quand même stylée hein, dans son armure. Il a un stylet pour jouer à la 3DS. Ça c'est sympa. Masse, je l'ai en 3 fois quoi. Aucun respect aussi là. Aucun respect. Voilà, allez hop, je récupère 2 places. Super. Quoi, l'aide? Où ça? Ta gueule. Tresse de sang. Je sais pas où ça sert. Malachite, je vais prendre quand même. Et d'accord, il y a un tas de cadavres. Sinon, le paquet est. Ouh, joli crâne géant, hein. C'est pas du tout un crâne humain, ça, c'est forcément un crâne de troll ou je sais pas quoi. Des scies, d'accord, qui ont été posées à l'arrache par le développeur. Il n'avait aucun respect du tout. Il a dit allez, allez vous faire foutre, je pose ça là, démerdez-vous. Pour la quête, vous vous démerdez aussi, hein, je sais pas si vous avez compris, mais. Ils se sont foutus de notre gueule, hein. Parce que chercher un paquet dans la montagne, c'est comme chercher Steve Fossett après son accident d'avion. C'est quasiment impossible. Il a dû se faire choper par une brebis, qui elle-même s'est fait choper par un loup, qui elle-même s'est fait choper par un dragon. Il faut aller chercher dans la tanière du dragon. Le paquet, quoi. Ils se sont foutus de notre gueule! C'est quoi ces conneries là? Ah non. C'est juste une malle, ok, super. Bon, bah on va finir de perdre notre temps et on va continuer autre chose. Bosquet du bélier mort, bah je suis, bosquet du bélier mort. Il est où le bélier mort? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont foutu dans cette forêt? On va continuer jusqu'à trouver quelque chose. Au moins! Ah! Là il y a une taverne. Ah 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 ah. Lire.
L'être dans un campement abandonné, venez à moi mon amour, les rêves vous ont guidé jusqu'ici, et j'écris ces mots de votre propre hein? Pour que vous les lisiez à votre réveil. Quoi? Venez à moi mon amour, les rêves vous ont guidé jusqu'ici, et j'écris ces mots de votre propre main. Il a coupé la main de la bonne femme pour écrire la lettre? Non, de ma propre main alors. Pour que vous les lisiez à votre réveil. Vous êtes d'accord. Ok, d'accord. Elle a pas compris du tout ce qui s'était passé, vous êtes si proche. Rendez-vous à l'arbre sur la colline où se tient la dame de pierre. Pas la dame de fer. Hein. Apportez un brin de Phelandaris pour que je vous reconnaisse et nous serons enfin ensemble pour toujours. Super! Ça me dit pas où est le paquet. Ah, un coffre. Tranche foudre. Ok. Oh, il y a un tonneau dans une pierre. Ça, c'est magnifique. Il y a un tonneau dans une pierre. Avec la petite musique. Pourquoi il y a une musique? Ok, bon, on suit la rivière. Fouiller la rivière à la recherche du paquet. Bon, je fouille. Je fouille, mon ami, et toi, tu vas mourir. Lui, il va mourir par... Oh, un ours! Un ours! Butez la brebis! On l'a éclaté! On en a eu deux. Pendant que les autres sont en train de se faire un ours. Hein? Tout à fait logique. Dégage, chalope! Je bloque tes attaques! Pendant que mes amis vont essayer de te défoncer la peau! Sale connard! Voilà. Un ours grillé au dîner. Tellement d'effets, ça part en couille. Bon bah je pense que le jeu a planté, hein. Ah. Mais non! Voilà. On a tellement pris cher. Ok, parce que non seulement faut aller les sauver, maintenant faut leur apporter la bouffe, qu'on est vraiment un esclave. Du coup, il faut suivre la rivière, suivons la rivière. Rivière maudite! Ah, il y a un truc là. Un astarium. Alors, c'est quoi le symbole? Oh là 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 là. Alors, à mon avis, ça doit être ça. Puis ça. Ah non, merde, c'est pas ça. Alors, recommencer. Alors, c'est ça. Puis ça, puis ça, puis ça. Voilà, en haut maintenant, sur le côté, voilà, vers la droite. Ensuite, je redescends ici. Je redescends là. Ah merde! Ah oui, d'accord. Donc il faut pas prendre tout de suite celui-là. Ah putain, c'est la merde. C'est la grosse merde. Comment je fais? Attends, là il y a la diagonale. Là il y en a un ici. Non.
Voilà. Comme ceci. Comme cela. Ici. Et voilà. Boum! Un drakkar. Super. Et du coup. Ouais. Astarium terminé. D'accord. Comme les nécroméniens, la traduction ancienne par-delà l'océan, ce qui semble accréditer l'hypothèse selon laquelle les nécroméniens seraient venus à Tedas depuis une contrée inconnue. Ok, super. Faisons de l'histoire. Du coup, j'ai pas vu où est-ce que ça partait. Ça partait de l'autre côté. Bon, là, y'a rien. Y'a Walou. Petite potion, hein. Voilà, on pollue un peu la nature au passage. Petit lotus sanguin. Là, il y a des hommes armés jusqu'aux dents. Liquidé. Ouais, un autre défi amélioré, on s'en fout un peu, je crois. Allez, hop. Épée longue. Oh, sauce. C'est de la merde. Allez, hop. Et un bouquetin. Un bouquetin. Oh. Il est où le bouquetin? Il est là. Joli bouquetin. Ah, ça va toujours pas charger. Tu charges? Boum! Et voilà! Comment on l'a terminé? Non mais, qui tu te prends? Un coup des coups d'épée! Ça le charogne! Et on descend de la montagne, et on descend de la montagne. Et un ours, et un ours, et un ours qui va chercher son bouquetin. Non, vas-y, chier. Ah, j'ai plus de place. Merde. Est-ce que les autres ont de la place par contre? Ça m'arrangerait. Veuillez attendre que le programme réponde, s'il vous plaît. Voilà, toi, viens là. Cowboy, viens ici. Ah non, d'accord, c'est un seul inventaire pour tout le monde. Ah la merde. Bon, voyons ce qu'on peut balancer. Des trucs qui servent à rien. Glaive militaire. Ouais, c'est quand même moins bien le glaive militaire. Bon, allez, je balance.
Ouais, c'est un peu plus défensif. Bon, cassons-nous cette ravine de merde là, parce que ça commence à me saouler cette histoire. Cheval, viens ici. Allez, on se casse. On va essayer de trouver une prairie plus verte ailleurs, s'il vous plaît. Oh. Un coffre. Allez, on y retourne. Donc logiquement c'est là. Est-ce que c'est pas là-bas? Fallait faire ça en fait, d'accord. Ouh, une armure, il y a une armure, il y a une putain d'armure, j'ai vu. Le manteau de Carta pour un magicien. Putain, il faut niveau 4. Bon, allez, c'est fait ça. Du coup, on retourne à la quête principale. Journal. Non, ça on s'en fout. Parler au forgeron, ça on s'en branle. On fera ça plus tard. Retournez voir Senna. Demande à Senna pour préparer le retour. Sécurité des formes. Terminer la mission autour de Guet à état-major. Ok. Viande de bélier. Trouver 5 caches d'apostas. Faille de l'immatériel fermé. Faille du bastion, ça on s'en fout. Campement établi. Ok. Trouver l'emplacement indiqué sur la carte. Apostas, reprenez l'alliance. Ça on va faire. C'est où ça? C'est là-bas, ok. Ça, on va le faire. On va traverser toute la région pour établir le dernier campement qui reste, comme ici, là. Là. Voilà, on va faire ça d'abord. Une fois qu'on contrôlera la région, on sera tranquille. Et après, on descendra du coup vers le sud. Et en même temps, sécurité des fermes, terminé, ça c'est fait. Et on va essayer de trouver ce qu'il nous faut en bouffe. Et ce sera bon. Ok, c'est parti. Cheval, s'il vous plaît. Alors. Toi, on va attaquer cette merde là. Attaquer. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Attaquer! Viens là, toi. Non! Il va revenir. Voilà, toi t'es mort déjà. Magnifique. Fouillez son cadavre, s'il vous plaît. Ok, fourrure de Fennec. Reviens là, le bouquetin, s'il te plaît. Bon, si on en chope sur la route, hein. C'est parti. Go pour l'aventure. Donc, ça, c'est un Fennec. Ok. On taille la route. Moi, je vais pas me faire chier, hein. Je vais appeler mon cheval. Et vous allez vous démerder pour choper du bouquetin, ok les mecs? Let's go!
Ah, c'est vrai que je peux pas quand je suis. Bon, c'est pas grave, on les chopera sur la route. Hein. On va choper deux ou trois, peut-être, au passage. Ah, il y a un truc là-haut à récupérer. Ah, je suis stoppé par une pierre. Stoppé par un caillou. Qui c'est qui gueule comme ça là? Je crois que c'était un ours. Bah alors? Ah, y a un truc là. Bon, je vais pas chercher les autres, hein, je chercherai plus tard. Parce que sinon on n'avancera jamais et il va falloir 10 vidéos pour faire une quête. Ce qui est déjà le cas actuellement. Donc si vous pouvez éviter ça, ce serait bien. Traversons cette route vaillamment et faisons. Notre maximum. Oh, il y a du méchant. Il y a du gros méchant pas beau. Il y a du gros chevalier. Wouh! Il y a du gros chevalier bien lourd. Aïe! Aïe! Ah, je suis déjà mort, purée. Lève-toi, chevalier, et fais ton boulot! S'il te plaît. Loupé! Aïe! Oh, il est parti dans le mur! Alors attends, parce qu'elle est partie au combat, elle est en train de se faire défoncer sa race. C'est un gangbang. Toi. Défendre. Aïe! Mon anus est pas en feu, s'il te plaît. Laisse-le tranquille. Ah merde. Elle avait survécu jusqu'à la fin. Fallait qu'elle crève à la fin. Ah, j'avais déjà pris ma kit, s'il te plaît. Oh là là. Bon, il faut vraiment qu'on établisse un campement parce que là c'est la merde. J'ai besoin de mon magicien, c'est le plus balèze. Les autres, vous démerdez pour survivre. Ça va être une obligation. Ok, ça on s'en fout. L'armure d'avant-garde, ça pue du cul. C'est ce que j'ai mis sur Cassandra. Oh, joli! Qui c'est qui nous attaque là? Quoi? Ah! Oh! Un assassin! Meurs, vieille merde. Ah, il est invisible cette salope.
invisible de chez invisible, quoi. Ah, c'était piégé, hein. Encore? Qu'est-ce qu'il glande là? Pourquoi il revient à la vie, lui? Oh! Ordure! Vieille merde! Il est pas mort. Si? Bon, on se barre. Cet endroit a l'air vraiment maudit. Oh, un ours! Oh là 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 là! Pire que dans Skyrim, quoi. Partout où on va, il y a des ours. Des similodons. Allez, on monte sur la montagne pour être tranquille. Il y a quoi par là? J'ai vu des chèvres. Non, c'est des vieux fennecs. Des vieux fennecs moisis. On monte là-haut. On pourra faire un campement comme ça et on sera tranquille. Parce que sinon, on va se faire défoncer. Mais alors, d'une telle violence... Oh là là. Ils ont pensé à tout quand même. Hein. C'est quoi comme bestiole? Encore un fennec! Putain! Ah, vous arrêtez pas! Ah, le campement il est là, c'est bon. On va pouvoir l'établir. Et voilà, campement établi. On pourrait monter le camp ici. Par contre, il faudrait vraiment un marchand quand même. Hein. Officier, au rapport, s'il vous plaît. Rien à signaler, sir. Ok, d'accord, rien à signaler, super. Ça sert vraiment à rien. Hein? De la veloutine. Oui, continuez. Non, moi je veux des potions, moi. Équiper les potions. Merci. C'est bon, on est équipé, on a repris de la vie. On y retourne. On est fou. On y retourne. Alors du coup maintenant il faut aller là. Pour ça j'ai besoin de mon cheval. Ah purée. L'ours nous a pas repéré, c'est bon. Vas-y, dégage.